J'ai une arme. Ah bah oui. J'ai bien envie d'essayer l'autre quand même là. Parce qu'elle est quand même fat. Hein. Pardon pour le micro. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi. Fait aussi des zones de soins. Allez, je vais essayer. Ouais. Et en rapidité, on est comment par rapport à l'autre? Celle-là, ouais. Elle est plus rapide. Allez, il faut que j'y arrive là, cette fois là. L'archilageois cherche à faire revivre des armées de morts. Et cela grâce à un pouvoir provenant d'un temple du désert, ancien et oublié. Trouver ce temple n'est cependant pas de tout repos. En effet, l'entrée se cache derrière quelque chose dans ce canyon. Un labyrinthe de créatures malveillantes et de secrets perdus. Secrets perdus ? C'est pour moi. Je tente de rallumer mon truc là. Ah, ma méthode de Tolar, parce que j'ai niqué mon briquet. Non. J'ai réussi. Allez, on est parti les petits loups. Salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo, comme dirait l'ami. Bah attends, c'est quoi ça? Ah, attends, il en... j'en vois que ça. Le joueur n'a que des flèches du tourment. Ah, ça va être long, hein. Grand-mère en caleçon vert.
Ah mais attends, attends, attends. Hop, hop, hop. Ouais, elle est bien plus rapide. Du coup, les nuages, ils popent plus rapidement le nuage qui me soigne. Ah ouais, y a pas photo en fait. C'est des nuages, des flèches qui repoussent. Mais... Thank you.
quelque connerie. Allez, allez, il faut que je dégage de là, putain, j'ai dit. Mais je sais plus combien, bordel, je sais pas quel âge. Ce qui est bien, c'est qu'elle passe à travers les murs. Et les poteaux. Mais attends, je suis stone ou quoi? Stone et Chardin. Allez, faut que je finisse ça là. Ah, quelle honte, mais honte intersidérale, quoi. Ah, j'ai encore une chance. Ah, d'accord. Allez, allez, allez. Là, il faut que je fasse de conneries, putain. Allez, allez, sors de là, bordel. Oh là, la dernière chance. Ah, putain. Alors là, j'arrête les conneries, j'arrête de parler. Oh là là, dégage, dégage, dégage. Alors là, si vous m'entendez plus parler, c'est que je suis concentré. Mais bon, je peux pas m'arrêter de parler en fait. Oh!
Ouais, gain de niveau, allez, bim bim bim. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que ça traverse les murs. Bam 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 bam. Non putain, mais non. Non, franchement là c'est odieux quoi. C'est odieux. Je sais pas si je suis pas trop éclaté ou. Non mais la piscine m'a fatigué, franchement je suis fatigué de chez fatigué. Demain ça va être debout 6 heures. J'ai mon premier chien à 6 heures à sortir. Et après j'ai un cours d'éducation canine à donner. De toute façon, ce que je regarde quand je regarde un chien au premier rendez-vous, c'est le maître. Donc je laisse le maître. L'évaluation elle se passe comme ça hein, chez moi. Le maître, il est avec Salès. Ce qu'il utilise, je lui demande de rien amener de spécial. Ce qu'il utilise, s'il utilise un collier étrangleur, s'il utilise un collier électrique là pour quand ils aboient machin et tout, histoire que moi je puisse les corriger pour leur dire que bah voilà, les trucs électriques c'est de la merde, les colliers étrangleurs c'est de la merde. Il y a des moyens de faire quoi. Mais encore, faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Donc c'est pour ça, la première personne que tu t'occupes quand tu dresses un chien, bah c'est le maître. Ouais, flamboyant, c'est super rapide en fait.
Allez, putain, pas que je m'endorme là. Putain, je suis en train de m'endormir. Ah, mais j'ai perdu. Ah, bah oui, j'ai perdu. Quel mon gars, putain. C'est honteux, honteux, honteux. Ouais, 17. On va voir combien j'en mets de flamboyance avec ça là. Ouais, c'est quand même moins de coups. Hein. Moins de coups de flamboyance. Et par contre, les coups crites. C'est quoi que tu viens de changer là, mec? Bon les petits loups, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Botte de célérité. Et du coup, j'améliore pas mes trucs parce que voilà. Allez, ciao, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Et je vous souhaite le meilleur dans ces moments qui vont arriver et qui vont vraiment être galères. Donc les gens qui le méritent, portez-vous bien. Ceux qui sont des crapules, qui le méritent pas, bah, je vous souhaite rien du tout. Et les gars qui se contentent de rester dans leur coin à jouer à leur jeu machin, bah, j'ai aucun problème avec eux, je les respecte. Les gars, ils font leur passion. Et ils emmerdent personne quoi, c'est ça qui est surtout génial. Salut à tous. Ciao, ciao.